théorie de l'évolution sur toute cette radiation adaptative qu'il a pu constater au Galapagos. Ici, nous en avons encore un très très bon exemple. Donc, 7 différentes espèces de lézards. Et sur toutes les îles, la même caractéristique, le mâle a un collier noir, la femelle a la gorge rouge. Mais parfois, les couleurs et les tailles changent énormément. À mesure qu'ils grandissent, ils vont devenir brunâtres, ensuite rougeâtres. Et finalement, quand ils sont adultes, ils ont le dessus orange et le dessous bleu. Ils sont très importants parce que ce sont ceux qui nettoient la côte. Ils mangent tous les animaux morts, les poissons. On les appelle sayabas, ici c'est le nom local, et vous les trouverez sous le nom de Grapsus grapsus. Et se gratter exactement comme les chiens. Les nageoires de devant ont les doigts qui sont beaucoup plus soudés. Elles risquent même de venir renifler les pieds. Une autre adaptation externe, vous voyez les narines. Chez les baleines qui ont beaucoup plus d'années d'évolution dans la mer et d'adaptation, là, les narines sont sur le dessus de la tête. Les otaries, ils ont toujours comme les chiens devant, mais elles se ferment naturellement.
Donc pour respirer, elles doivent ouvrir, c'est un acte volontaire, d'ouvrir les narines pour la respiration. Et pour ce qui est des moustaches, les moustaches sont très sensibles, un peu comme les chats. Et donc il y a un système nerveux autour des moustaches est très très développé, donc avec une connexion cerveau très rapide. Se reconnaissent énormément l'environnement en touchant avec les moustaches. Quand elles viennent vers nous, elles nous touchent seulement avec les moustaches, pas avec les nez. Donc regardez cette adaptation et voyez que bon, les otaries des Galapagos ont évidemment une fourrure mais qui n'est pas très épaisse. Et aussi ont des couches de graisse mais pas très épaisses non plus. Ce sont des animaux qui aiment la chaleur. Donc si elles les exposent au soleil, ça réchauffe les vaisseaux sanguins et donc le sang. Par contre, les femelles, généralement, on commence à mettre bas à l'âge de 3 ans. Et donc les femelles s'accouplent et ont une gestation qui dure 7 mois, mais elles vont avoir qu'un seul bébé par an. Thank you.